Coucou Morgane. Coucou. Donc on se retrouve à nouveau avec Morgane pour sa première grande voix, dans l'optique du coup de la préparer à une première course d'alpinisme. Donc là on s'est dit qu'on allait faire une petite grande voix. Donc c'est la grande voix papier caillou ciseaux au Grand Moulin dans Belle Donne. Donc c'est une grande voie très facile, enfin très facile AD, 4B max, 6 longueurs de à peu près 30 mètres. Voilà, donc on est parti. Morgane, tu te sens bien? Ouais, carrément. Allez, je te tirerai au pire hein, si ça passe pas. Ouais, t'inquiète. Je t'avoue que je m'inquiète pas pour ça. Hein. Voilà. En fait, à partir du moment où je mets un point, c'est juste que c'est safe pour moi, tu vois. Enfin, en fait, le point de renvoi, il sert à faire en sorte que tu tombes pas trop bas. Si jamais tu te casses la gueule. Ok. Là, il y a un point là, mais il est vachement bas. Je crois que je vais aller tout droit, en fait. Ça a l'air d'être là le plus simple. Bon, je pense que c'est par là, même si je vois pas trop de points. Bon, je vais continuer par là, ok? Hop. Bien joué ça. Je suis tapé un petit moment de panique quand même. Attends, je reprends un peu mes esprits parce que... En fait, en soi, c'est pas difficile, mais comme j'apprends beaucoup, du coup, je me mets beaucoup de pression et gérer ça, plus le fait de monter, en fait, c'est ça qui est hyper difficile, c'est l'appréhension. Ouais, c'est le côté mental, quoi. Ouais, bah oui. Psychologique. Mais, ouais, dans le sens, je me dis, oh, non, mais là, s'il tombe, ça va être hyper compliqué pour que je l'assure. C'est pas la même chose qu'en mur, tu vois, même si tu me tiens, moi, quand je suis en bas. C'est pas la même appréhension, je trouve. Et en fait, c'est ça qui est fatigant. Je trouve que ça fatigue vachement, en fait. Ouais, c'est sûr. Du coup, en soi, la voie est pas très compliquée, mais tout ce qui va avec, ça fatigue, quoi. Donc là, nous avons un petit point de renvoi, parce qu'il n'y a pas trop d'autres points proches. Donc du coup, on le met direct sur le relais. Ouais, bah ouais, vu que c'est 30 mètres à chaque fois. Ouais, du coup, je me rends compte. En tout cas, c'est un bon exercice pour moi, ça me fait faire plein de relais, c'est trop bien. C'est vrai ? Ouais. Tu sais, c'est quand tu vois le chemin juste à côté que tu te dis qu'on se fait vraiment chier pour rien, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est pour le jeu, mais c'est pour la beauté, quoi. Bah oui. C'est beau de faire ça. C'est beau de passer par le chemin qui est pas forcément le plus court. C'est ça que je te disais tout à l'heure en terrain montagne. Tu vois, hier, t'as fait du 5B en moulinette sans problème. Ouais. Et là, on fait du 4B, mais on fait moins les malins. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a moins de points, parce que on est sur des relais qui sont pas aussi béton qu'en escalade sportive. Et encore là, on a des points, donc il y a des spits. C'est bien, Morgane. Ouais. Super. Pas de pied hyper agréable.
Ouais, c'est que de la dalle, donc c'est que des trucs d'adhérence en fait, ouais, ici. Ça. Au moins, ça m'apprend à. Ah bah là, c'est faire un. Confiance à l'adhésion, quoi. C'est un bon exercice. Ouais. On en a fait 4 là. Ouais, il en reste plus que 2. Il en reste une très facile. Ok. Et une un peu moins. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup monté, franchement. Ouais, ça va vite, hein, t'as vu. J'ai l'impression qu'on monte de côté. On est... Ouais, on monte, en fait, on monte vraiment sur le côté, c'est ça. Tiens, faut que tu me refiles les, ouais, le matos. En fait, c'est, tu vois, c'est là où on peut gagner du temps. C'est sur ce genre de manip. Ouais. Où, dès que t'arrives, tu me refiles le matos. Moi, je suis dans l'idéal, je suis déjà prêt, je suis déjà dévaché. Enfin, limite, tu vois. Là, je peux déjà te. Tac. T'as plus rien, c'est bon. Ah bah ouais, parce que là c'est vertical un peu. Oh, regarde à gauche Morgane. Regarde là. Oh là là. Mais ils sont hyper. Prends-les en vidéo. Ouais. Tu prends en vidéo là ? Ouais. C'est dingue comme ils sont proches. Ils ont pas peur, hein ? Ah ouais, lui il a vraiment pas peur. Mais il est vraiment à côté des gens, celui là-bas là. T'as vu, il se fait une petite 4B là, tranquille. Coucou. Mais il se rapproche, tu sais. C'est bien là, t'es à l'aise. Là, c'est du 3B, je crois. Ah ouais. Oui, c'est pas très dur là. Je sais pas où je vais passer là. Ouais, sur l'arête là à gauche, ouais. Le... Ici ? Ouais. C'est pas mal. Je pense que c'est plus facile, ouais. Là, je commence à plus avoir trop de force dans les jambes, je t'avoue. C'est facile. Les jambes commencent un peu à fatiguer. Entre la grande d'hier, la cour d'hier, le yoga d'hier. Tiens, tu vas essayer de passer à droite. Alors attends. Comment on va faire? Vas-y, viens. Ça va? C'est pas fou quand même. C'est bon? Ça va? Oh, je suis pas hyper à l'aise, mais oui. Tu vas te mettre là où j'ai mon pied, là, tu seras mieux. Je lis Momo. Je m'arrive encore. Ta première grande voix. Ouais. Heureusement que tu me tirais pour moi. Parce que franchement, j'étais tellement en panique. Allez, viens, monte. Oh, c'est trop beau. Je vais te vacher là. Merci. Tu vois, tu peux aussi te vacher juste en mettant la corde comme ça. Ok. Comme chemin ? Ouais, ils sont passés par un chemin. Ouais, il y avait plus facile, ouais. Mais bon, c'était marrant de faire le passage dur. Ouais, ça m'a pas fait trop rire. Bien joué, Morgane. On a commencé à quelle heure à grimper ? À 13h. 13h ? Oui. On a mis 1h45. Ouais. Et c'est bien ? C'est vrai ? Bah oui. C'est super, même. Le bilan de cette première grande voie. Bah, c'était un peu flippant quand même. C'était très chouette. Oui, ça s'est bien passé, mais juste ça fait peur en fait. Enfin, je pensais pas que ça faisait aussi peur. Et je pensais pas que j'allais avoir autant d'appréhension et c'était pas si facile quoi. Voilà. Ok. Et voilà, encore un épisode qui se termine avec Morgane. La future alpiniste. À très bientôt dans les prochaines aventures. Ciao.